Bonjour à tous, bonjour mon cher Philippe. Bonsoir à tous, bonsoir à toi, bonjour Michel. Pour ce match qui s'annonce, c'est vrai, plutôt redoutable. PSG, redoutable match. Excusez-moi, je vais pas dire. Mais évidemment, Marseille, la plus belle ville. Évidemment. Après Paris, évidemment. Paris reste à Rome. Donc aujourd'hui, un match un peu entre le chaud et le froid, entre le néant et l'obscurité, entre le yin et le yang. Versus Marseille, tout simplement. Ça va être donc forcément, comme dit mon cher. Voilà, ça va être Marseille va gagner un inoubliable match. Un beau match, effectivement, mon cher Philippe, un match magnifique où Paris va encore une fois gagner devant Marseille. Il n'y a pas de. Le mystère, non, mon cher Michel, mais j'ai pas tout compris à ce que vous avez dit. C'est normal, vous êtes cassé. Le sujet absurde, vous connaissez pas. Sous-côté Marseille. Écoutez, complètement, mon cher Philippe, on va vous mettre quelques buts, puisque Marseille, certes, c'est pas aussi grand que Paris, on n'a pas la Tour Eiffel, mais le matin, non plus, on a une très bonne équipe, des troupes, c'est de participer, d'accord. Faut pas s'énerver, faut pas s'emballer, voilà, pas des, faut pas
Marseille, vous allez très déçus, souvent. Même quand ils se droguent d'ailleurs, oui. Très souvent. Alors, et c'est parti, le coup d'envoi est lancé. On espère que c'est Marseille. Peut-être pas rester sur... Trop payé comme ça. Non, non, on va essayer de mettre la barre un peu plus haute. C'est-à-dire de marquer au moins un but, au moins un coup franc, tenter une touche, au moins, je sais pas, faire un truc. Ça peut être si ça, parce que c'est un ballon. Après, franchement, on peut pas leur enlever un truc. Certes, ils perdent le match, mais voilà, ils ne simulent pas. Ils ne tombent pas à chaque 30 secondes. Non, mais voilà, si vous parlez de ça, si vous parlez de n'importe quoi, monsieur. Mais bon, voilà, après, c'est ce qu'on appelle les bons joueurs. Non, non, c'est parce qu'ils sont fair play qu'ils sont pas fair play du tout. N'importe quoi, monsieur, je peux pas vous laisser dire ça. Non, mais je peux pas vous laisser dire ça. Marseille, c'est une équipe réputée pour la simulation. Faut arrêter. Ils ont pas que plus 8 en simulation. Je suis pas d'accord, Michel. Vous savez très bien que PSG sera un peu nul. On a le troisième but que vous allez prendre dans quelques minutes. Ok, ok. N'importe quoi. Ok, ça se coupille de la sur la situation. Pas troisième, là, mon pote. Là, c'est PSG. Ça peut être très bien. Regarde, Witch. Attention, ça peut être très bien. Je repousse par la défense, évidemment, puisque Marseille ne savent pas marquer. Ah non, ils savent toujours pas. C'est pas grave, allez, ils sont partis. J'ai l'impression qu'ils sont tombés sur un meilleur se rapproche d'un jeu. Il y a Mirguin, le tir. Oh. Ah non, non, c'est hors-jeu. C'est hors-jeu, soyez pas dégueu. Non, mais soyez pas dégueu. Non, parce que voilà, il y a hors-jeu. Clairement, je pense que vos joueurs ont un petit problème de vue. Visiblement, c'est l'arbitre. Pas bien les règles. Non, je pense que c'est l'arbitre qui a un problème de vue, parce que là, visiblement, il y était à 100%. On peut voir sur les ralentis que ce but y était complètement. C'est juste que l'arbitre est complètement. Mais ça t'amuse de rabaisser les gens. Ah bah oui, vous êtes pas bon, vous êtes pas bon. Assumez-le, mon cher. Mais justement, on n'est pas obligé de rappeler le score. Je rappelle 2-0. 2-0. Les gens, c'est écrit. Ils le voient. Bah oui, mais voilà, 2-0, c'est quand même un score plutôt remarquable. Reparti pour ce coup d'envoi. Et bientôt, la fin du match va être sombre. Ça, c'est sous-côté. C'est sur-côté. Ah, ben, il s'est fait mal. Il y a un mec du PSG qui s'est fait mal. Évidemment, il a une grosse faute. Peut-on voir les ralentis? Ah oui, là, il s'est fait mal, oui. C'était ça, les Marseillais. C'est moi qui vous le dis. Ah oui, il a touché l'oreille avec l'index. Là, il y a des séquelles inévitables, je pense. Ouais. Écoutez, moi, là, je pense que ça peut être dangereux. Ça peut être dangereux. Rigolez pas avec ça, Philippe. Oh. Ça peut être dangereux. Il se relève. Qui l'aurait cru, qui l'aurait cru. Après, cette cascade incroyable. Ouais, bah, c'était pas faire plus de la part de Marseille de mettre dans l'oreille. Ça y est, on simule pas. Non. Quand on tombe, c'est parce qu'on est des hommes. Nous, on tombe parce qu'on tombe. On tombe pas parce qu'on nous a mis. Dernière fois, j'ai vu une mouche se poser sur l'épaule de Marseille. Allez, mon cher Michel, vous allez voir Marseille qui vont remonter. Il reste plus que quelques minutes, quelques secondes devant le coup de moi. Je suis personnellement gentil. Et c'est la fin de ce match. On a gagné encore une fois. Pareil. Ça fait Paris là. Ah ben ça fait mal, j'imagine. J'ai plus mal. Ah ben j'imagine. Là, cette défaite écrasante une fois de plus. Paris qui gagne face à Marseille. Bon, je pense. C'est très raison. Il n'y a pas de choses. Après, bon, à faire, à voir. Comme on dit, une fois n'est pas coutume. C'est pas que Marseille ont perdu une fois qu'ils vont toujours perdre. C'est bien parti, en tout cas. C'est pas la première fois ni la dernière que Marseille battra Paris ou que Paris battra Marseille. Voilà, bon, faut pas se leurrer. Faut pas se leurrer. Non, mais si, quand même, parce que ça fait quand même pas la première fois qu'on vous défonce quand même. Voilà, il y a un moment quand même. Bon, peut-être arrêter de jouer. Quoi? Non, rien. Rien du tout. Je préfère. Non, mais j'ai peur. Il y a. Non, mais c'est Marseille, c'est pas dans quelques secondes. J'ai cru entendre un agent qui me plaît. Je disais que Marseille, c'était vachement bien. Ouais. Non, mais c'est ce que je me suis dit. Je me suis dit ça aussi au début. Marseille, ils en sont bien. Bon, mais écoutez, mon cher Philippe, c'est vous. On va donc se quitter. Vous allez nous quitter surtout. De quoi, moi. Quant à nous, on va encourager le Marseille. Et on va encore perdre au scandale. Pourquoi l'arbitre a été payé? Non, parce que c'est nul. Vous avez pris deux buts. Ne me rage pas. Non, 2-0.